هذا هو الحياة. بلا نرى ما كانش حياة. هذا هو الإشكال يعني. وصار 5 6 7 8 كاع على سيزون 15 كلها هاد الدوره معروفين الاسامي ديالهم كيعانوا وما كيتقطع عليهم الماء في شهر 11 شهر 10 كل ما عندهم لو بوين ديال بوزمون دو بوي سي لا داكور. Alors la profondeur c'est entre 160 et 200 mètres jusqu'à 250 mètres. En moyenne c'est 200 mètres. D'accord ? Ça c'est la profondeur. Là on va mesurer la qualité d'eau et le débit. Donc on a mis des pieux et on met des câbles. On met des câbles, oui. Pour pouvoir détecter. C'est un émetteur récepteur. Voilà comment ça se passe. Donc ici, on a un scanner. Tout un scanner pour pouvoir détecter et qui nous donne les bonnes informations concernant la qualité, la salinité de l'eau. Pourquoi ? Parce que dans ce village, il a été déjà creusé deux puits, mais c'était des puits d'eau salée. Exactement. Et ils ont été obligés de les fermer parce qu'on ne peut pas consommer de l'eau salée. C'est dangereux pour la santé. Alors cette pompe qu'on a détectée, c'est un peu... La salinité, c'est un peu... Ça va. Donc on a le OK, là c'est le feu vert. Pour creuser ici. Et le débit, ça peut y aller jusqu'à 20 mètres cubes par heure. D'accord, il faudra une pompe de combien pour pouvoir extraire? Parce que ici, ils n'ont pas d'électricité pour alimenter le puits. Alors il faut voir la consommation pendant la nuit, pour calculer le château d'eau. Il faut une pompe de 2 chevaux. 2 chevaux. 12 chevaux, oui. 12 chevaux. En effet. Alors, il faut une pompe de 2 chevaux qui va nous faire marcher pendant 10 heures la journée, qui va nous faire à peu près, on va dire, 300 mètres cubes. Alors il nous faut un château d'eau de 30 mètres cubes. Alors il faut un château d'eau de 30 mètres cubes. Et le minimum, ça c'est le minimum. Le minimum c'est 30 mètres cubes. Et ensuite il va falloir tout le système de panneaux solaires. Il faut une pompe de 2 chevaux, il faut un système de panneaux solaires. Il faut presque, on va dire, full power, il faut 25 plaques. Il faut 25 plaques, alors... Ça c'est le full power. Le puits... 20 plaques, mais le full... Entre 20 et 25 plaques pour le solaire et un château d'eau de minimum 30 mètres. 30 mètres cubes. 30 mètres cubes. Et une pompe de 2 chevaux. Voilà, et là on va pouvoir apporter l'eau à un village de 900 personnes.